Hello les amis. Alors, c'est le deuxième jour de stage, donc Zen Qigong particulièrement, pour activer ses pleins potentiels, hein, les faces cachées. Et c'était la première journée, donc hier, où ça a été très très agréable. On a passé un beau moment de connexion avec l'environnement. Puisqu'on est quand même, on dort dans les tentes, dans les yourtes, dans les tipis, dans les yourtes. On mange un peu à l'extérieur comme ça. Avec le temps qui est avec nous aussi, qui a annoncé beaucoup de pluie et finalement on a beaucoup de rayons de soleil quand même. Ça ne nous empêche pas de passer un bon moment. Et puis, y a une belle ambiance entre nous, il y a une belle connexion entre les personnes. Avec le lieu et avec nous-mêmes. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié cette première journée où on a travaillé le Zinheng, la méthode 3 du Zinheng qui travaille sur les émotions. Et on a parlé plein de choses en fait, c'est ça qui était chouette. On a pratiqué bien sûr, mais il y a aussi le matin, on a vu vraiment l'aspect, l'importance de prendre sa place, de ne pas prendre la place de l'autre, d'être à l'écoute. Et en fait, dans une aigle, il y a vraiment tout un protocole pour matérialiser cette pensée. C'est souvent, dans un cercle, par exemple, c'est important de conscientiser le cercle quand on s'assoit dans un cercle. Quand on se positionne devant quelqu'un, il faut en être conscient. Souvent, il y a pas mal de personnes qui sont un peu solo et qui ne conscientisent pas les autres. Et c'est vrai que la conscience, c'est aussi capter les besoins des autres. Ça ne veut pas dire se soumettre aux besoins, mais conscience, quoi. Considération. Et c'est ça qui est génial, c'est que, en fait, on travaille aussi sur nous à travers nos comportements. Et que le Zinheng, c'est aussi prendre conscience de ses comportements. Il n'y avait pas de mauvais comportements, hein, mais c'est juste que de conscientiser cette place qu'on peut prendre sans faire exprès aussi. Ouais. Peut se mettre devant et puis ça peut gêner quelqu'un. Et de pas voir ça, c'est un manque de conscience, c'est pas grave. Mais la conscience, quand elle s'éveille, elle voit tout. Elle voit, elle sent tout, elle entend le mensonge, elle peut plus être bernée. Elle voit la mauvaise foi surtout. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai des bruits autour de moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, parce qu'en fait, on est lucide. C'est pour ça que ça s'appelle déjà la clairvoyance, la clarté. C'est aussi juste de voir, d'entendre les mots qui sont dits, les sensations, de plus être aveugle. Vous voyez, quelqu'un qui est triste, on doit pouvoir le voir. Quelqu'un qui est joyeux, on doit pouvoir le voir. Quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, on doit pouvoir le voir. La conscience, c'est ça aussi. Et souvent, on raisonne un peu perso. Voilà. Il y a un livre qui est très bien qui parle de ça, c'est Pouvoir du Nunchi. Voilà, donc spéciale dédicace à mon ami François, que je vous présenterai un jour sur cette chaîne parce que il est souvent là, il n'est pas là au stage, mais c'est un frère d'âme. Donc, qui est coach médiateur avocat et j'essaierai de lui dire de poster sa vidéo. Il a fait une vidéo magnifique sur la famille. Et voilà, je vous en reparlerai. Donc, pour dire que ce Nunchi, parce qu'on parlait du Nunchi, et Nunchi, c'est vraiment de considérer l'autre sans non plus se déconsidérer. Il ne s'agit pas de se soumettre, mais plutôt de conscientiser l'état de chacun. Et de pas négliger les besoins de l'autre. Donc dans un couple, c'est important, par exemple. Et quand on fait ça, déjà, on a de grandes chances de bien s'entendre. Et la mésentente vient de ça. Regardez, aujourd'hui, on prend pas en compte les besoins de chacun dans les prises de décision. On impose. Et ça, c'est vraiment un manque de conscience, un manque de respect. Et quelque part, c'est de la manipulation. On ne peut pas imposer aux gens sans leur demander leur avis, sans prendre en compte les besoins de chacun, soit disant que l'autre sait mieux que nous. Est-ce que vraiment il sait mieux que nous ou est-ce qu'il prétend
Parce que c'est ça en fait. Moi, personnellement, quand il y a des prises de décision dans le gouvernement, je suis pas du tout en accord, alors que c'est le mien le gouvernement. Donc normalement, il gouverne l'ensemble, moi aussi quoi. Donc si le capitaine de bord prend des mauvaises décisions, on va pouvoir quand même aussi, on a le droit de se positionner. Et si, le problème c'est que si on est tout seul, y a personne qui, tout le monde va s'opposer à toi, même si tu as raison. En tout cas, même si tu n'as pas tort. Donc voilà, la conscience c'est ça aussi, c'est prendre conscience de l'autre, prendre conscience des besoins et de ses besoins aussi. Il y avait aussi ça qu'on a vu, c'est que il n'y avait pas vraiment, la plupart des gens n'ont pas vraiment d'objectif, ne connaissent pas. Il y a eu deux questions qui ont été posées. C'est, la première, le premier soir, c'était quels sont vos objectifs, même pour le stage. Et je disais, c'est l'objectif, c'est imagine, les gens disent, oh, j'ai pas forcément d'objectif, j'ai pas besoin d'en avoir, je lâche prise et tout ça. Mais imaginez que vous avez le génie d'Aladin qui vient et vous lui dites ça, alors que vous avez la possibilité d'enclencher les choses, ce serait dommage. Et l'univers, c'est exactement pareil, c'est qu'en fait, il s'agit que des prises de décision qu'on va mettre en place pour pouvoir activer quelque chose. Donc c'est important de savoir quels sont nos objectifs. Et nos objectifs, les grands objectifs, plus les objectifs sont grands, plus le potentiel d'énergie est grand. Donc autant avoir des grands objectifs. Et les grands objectifs sont liés à la contribution au monde. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à faire dans le monde. Vous voyez que si on ne fait pas d'objectifs, c'est en gros, aujourd'hui, ça nous convient comme ça en fait. Donc peut-être qu'on peut prendre des décisions, avoir des objectifs pour améliorer aussi le système dans lequel on est, la cohabitation, la nature, je sais pas, les animaux, la santé, l'organisation, la gestion de notre vie, de choses comme ça. On peut apporter quelque chose, on peut contribuer et on peut avoir un objectif par rapport à ça, parce qu'on se trouve que c'est pas bien géré. Moi personnellement, aujourd'hui, cette société, j'ai beaucoup d'idées de construction quoi, intelligente, et puis du coup j'ai un plan par rapport à ça, j'ai des objectifs. Et pour ça il faut de l'argent. Donc forcément les gens qui disent c'est pas bien de vouloir de l'argent, oui, mais avec l'argent tu peux prendre des décisions, tu peux avoir des possibilités d'action, tu peux te faire aider, tu peux créer, tu peux vraiment être un acteur aussi. Alors que celui qui est là, il n'a pas besoin d'argent, il est plutôt en mode je suis dépendant des autres, de ceux qu'on a, mais en fait, je peux rien faire, je peux juste imaginer que ça change. Donc il y a l'idée d'avoir un objectif, et aussi l'idée, quel est ton message? Quel est le message que tu as passé? Donc c'est une question qui est intéressante, parce que finalement, quand on se la pose, on a une réponse. Voilà. Moi au départ, c'était, il peut évoluer ce message. Hein. Au départ, c'était... Là, maintenant, c'est ces questions-là. C'est, quel est le message que tu as passé? C'est la question que j'ai envie. C'est le message que j'ai envie de passer. Ce serait pas, peut-être bien que chacun trouve son message. Et son message, c'est sa mission de vie. Et donc, par exemple, moi, ça fait partie, en tout cas, du message que j'ai actuellement à passer. Avant, c'était plus travailler sur l'énergie. Est-ce que vous avez conscience que votre corps et votre esprit, c'est un grand potentiel, un des plus grands qu'on peut avoir. Et c'est fou de pas s'en servir correctement. Parce que vous avez la conscience de cette force qui est en nous, quoi. Le corps et l'esprit. Et le cœur aussi. Donc c'est le premier message que j'ai à passer. Puis maintenant, c'est plus un message d'action, quoi. C'est quelle est ton action, quoi. C'est quoi ton rôle, toi? C'est quoi ton rôle dans cette société, quoi? C'est quoi que t'apportes? C'est quoi ta contribution? Après, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de jugement, hein. Mais juste, moi ça m'intéresse. Peut-être qu'on peut collaborer ensemble. Et donc voilà, ces questions sont aussi de la conscience. La conscience, c'est aussi trouver son chemin, trouver sa voie. Et j'avais envie de vous parler d'autre chose au départ. Mais finalement, c'est ça qui est sorti. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà l'endroit où on est, vous voyez. Là, c'est la maison d'un des propriétaires. De Yvan et Sarah, donc c'est le White Susan. Je leur fais un petit peu de pub aussi, hein, au passage.
si vous voulez. Donc à côté de Dijon, à 20 minutes de Dijon, c'est juste incroyable. Donc ils sont super accueillants et vraiment connectés à la nature. Ils respectent énormément. Hier, on s'est baigné là, dans l'eau fraîche. Et c'était super aussi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Il y a plein de plantes. Donc tout ça ici, en fait, ça fait partie du lieu, en fait. Hein. Voilà pour cette première journée. Et l'après-midi, on a fait des mantras, des mudras. Dans la troisième méthode, on travaille sur les émotions. Et on travaille beaucoup avec les mudras et les mantras. Donc je voulais vous faire une vidéo là-dessus, vous parler de tout ça. Mais je vous en parlerai demain du coup. Voilà, je fais une petite visite. Ça, bah, du coup, on va voir Yvan qui est en train d'aller chercher les œufs. Voilà. Pas le déranger avec la caméra, je pense que ça peut un peu le saouler aussi. Allez, je vous souhaite une belle journée.